Aman a fait un voyage dangereux. Because I left my family, I was in the panic before the trip. When I got on the bus, I smelled bad odor, but I didn't feel sick on the bus. J'étais bien dans le bus. Aman aussi a pris le bus, mais je préfère dire qu'il est robuste. Nous visitons l'Angleterre alors que son pays est en guerre. Pour nous, il fait beau temps. Lui, il quitte l'Afghanistan. Je pars en Angleterre pour découvrir de nouvelles choses. Aman part dans un autre pays pour s'y réfugier. Faudra bien s'adapter. Je fais un voyage court. Aman ne sait pas combien de jours, comment et s'il va rester. I will stay at home and play my video game. I will do my homework and also traveling. Un migrant est une personne qui part s'installer dans un autre pays, comme Aman en Angleterre. Il y a beaucoup de migrants dans le monde. Les maisons trop chères, pas assez d'argent, pauvres, etc. Ou bien la guerre. Quand ils n'ont pas assez d'argent, comme pour aller voir leurs parents, ils font tout pour y aller. Ils montent dans des camions là-dedans, au fond, pour se cacher. Aman part voyager. Aman va angoisser. Et moi, assis dans le bus, je vais angoisser aussi. I was on the bus. I was missing my family, of course. I was feeling really up. I was thinking of my friends back at school. I hadn't any idea what the trip would be like, but I will surely sleep on the bus. I will go to England. I will go for a short stay. I will leave my family for 5 days. I will go for a study visit. I will be missing my family, but I will be feeling really up. Car nous partons en voyage en Angleterre quelques jours, eux espèrent y partir pour toujours. Nous partons en bus légalement, lui va faire un long voyage épuisant. Pour nous, ce sera facile, pour lui, ce sera difficile. Je vais pouvoir parler avec mes amis, mais lui n'a pas assez de salive pour raconter sa vie. Nous nous ferons appeler touristes, eux se font insulter par des racistes. Nous allons voir de beaux paysages, eux finiront à la nage. The bus went to England. I will go for a short stay. Where with a man went and stayed. I heard my friend's voices. I saw the new landscape and I saw lorries. But in the night, like Aman, I didn't see anything. I didn't feel anything. The morning, I tried my breakfast. I smelled the engine oil. Aman et moi allons en Angleterre, mais pas pour les mêmes raisons. Avec mes copains, on est content d'y aller. Par contre, lui et sa mère, ils sont obligés. Nous faisons un voyage pour apprendre et étudier. Aman et sa mère pour se réfugier. Nous quittons nos familles pour un petit séjour. Aman et sa mère partent de chez eux, avec peu de chances de le retrouver un jour. Aman et moi allons en Angleterre, mais pas pour les mêmes raisons. C'est clair. The bus. I will miss my family, but I feel happy. Through the window I saw, the landscape was beautiful. Je vais visiter, Aman va y rester. Il voyage en camion, je voyage en car. Je serai avec mes amis, et lui, en mauvaise compagnie. Il n'avait aucune idée d'où était l'Angleterre. Aman y allait pour travailler, et moi je vais discuter, te raconter. Moi, je pars pas en Angleterre. Aman, il part car il y a la guerre. Moi, je reste avec mes amis, ma famille et lui, part dans des conditions difficiles. Aman part en espérant une nouvelle vie et il n'aura peut-être plus de chez lui. Alors, je pense à tous ces migrants, du genre Ahmad et Mandre. I don't know England, I don't know Aman, but my parents went on the bus to England. Ma vie est tranquille, la sienne n'est pas paisible, pour nous c'est facile et pour lui c'est difficile. I'm not going to England, but I have a friend who will come to school too. I'm a little sad because I can't see London and the big building in the city, but I can sleep at home in my bed. Aman part vivre avec son oncle et sa mère, en laissant dans sa grotte toute seule sa grand-mère. Moi, je n'ai pas besoin de passer la frontière. Je reste dans mon pays. Lui, il s'enfuit. I like traveling. I can't take pictures. I can watch the landscape. Aman part de son pays parce qu'il y a la guerre. Je pars en Angleterre pour un voyage scolaire. Il part en camion et il se sent mal. Je pars en car et je m'en sens bien.
Je vais dans une famille d'accueil pour quelques jours. Il va dans un centre d'accueil, peut-être pour toujours. They saw a truck. They heard the engine of the bus. I will not go for a study visit. I will not ask for a work permit. I will stay at home. Ils passent la frontière, ils vont en Angleterre. Je reste chez moi. Je ne découvrirai pas ce pays là-bas. I am sad. I stayed at home. I feel disappointed not to leave. Mais moi, je peux rentrer chez moi. Alors que chez Aman, il y a la guerre. Aman est content, lui, d'aller vers les pays développés pour s'y installer, comme un endroit, comme tous les migrants. I smelled of the sweat on the bus. I was in a panic on the bus. My luggage in the bus. I leave my family. I will go for a visit to England. I will go for a short stay in England. Moi, je pars en Angleterre en mode touriste, alors que lui, il flippe pour pas se faire choper par les flics. I smell the pancakes. I heard my friend singing. My trip is so beautiful. I am going to England. I will see the landscape. I am not worried. I have nothing to worry about. Je ne pars pas en tant que réfugié. Je vais en Angleterre pour visiter, apprendre à fonctionner, voir comment manger. J'y vais pour parler anglais. Je ne voyagerai pas comme Aman, Ahmad ou Londres. Before the bus left, I was afraid of such a long way to go. We were on the bus. I smelled an odor of sweat. There were a lot of people there. During the trip, I was hungry. I was very tired. I was very happy. I didn't see anything because of the sun. I just saw the seat in front of me. I didn't hear anything but the passenger who was speaking. I just heard the engine. Je savais où j'allais, c'était sans difficulté. Eux, ils errent sur les mers, en plus ça leur coûte très cher. Moi, je voyage légalement, ça coûte pas tant d'argent. I am a little sad because I'm not going to England. I am a little happy because my friends are staying with me. I don't like the bus trip. A bus is not comfortable. Aman voyage en camion. Nous, on voyage en bus. Confortable ou pas, Aman n'est pas tranquille et pour nous, c'est facile. I'm happy to leave. We'll go to England by bus. He will smell the smells of the country. He will discover new people. I hope I will not be seasick. I hope it will not be too long. Le voyage que fait Aman est dangereux. Mon voyage à moi est heureux. Son pays est en guerre et le mien, c'est pas l'enfer. It was the time to get on the bus. I was too anxious to go to the United Kingdom. It was a good experience, but it was too long. I smelled of sweat during the trip and I heard voices of the people. I was seasick on the boat. But I saw the landscape, the trip was great. Moi, je n'ai qu'à montrer mes papiers pour passer la frontière. Alors que Aman, lui, pour la traverser, galère. Moi, j'ai des moyens de transport, des aéroports, des ports, des héliports. Mais pour lui, à part le stop, je cherche encore. Je m'égare, stop. The bus goes away. I am very scared, but it's just a lie. I am scared, but it's just a test. I am scared, very scared. Because of the night, even with the stars outside me, I was missing my friends, I was missing my family. I saw people sleeping, but I was not sleeping, absorbed in my throat. The bus goes away. I am very scared, but it's just a life. I am scared, but it's just a test. I am scared, very scared. Because in England, I will think of my friends. Because in England, I miss my family. The bus moved on the road. The bus moved my throat. I hope to touch the sky, but my eyes will be bright. Because my fear is here, and I don't hear anything. The bus went away. I was very scared, but it's just a life. I was scared, but it's just a test. I was scared, very scared. I was scared, very scared. Pour lui, c'est une aventure. Pour moi, c'est une conjecture. Pourtant, je ne devrais pas, car Aman n'a pas voulu ça. Chez lui, il y a la guerre. Chez moi, il y a de l'air.
Lui est obligé, et moi je l'ai décidé. Lui part pour quelques jours, et lui part pour toujours. Alors je pense à lui, à tous ceux qu'on appelle migrants, et je me dis, j'ai de la chance, vraiment.